Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty sur Clash Royale. Comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série sur les decks d'une seule rareté. Donc on a déjà fait commun, on a déjà fait rare, on a déjà fait épique. Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette série qui sera sur le deck full légendaire. J'ai essayé de faire un deck un petit peu cohérent. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est pas mal. Franchement, il y a un style. Le MK, voilà, avec des troupes un peu pour l'entourer. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Voilà. On va essayer ça en game. Je sais pas si ça va passer. Mais on va essayer de faire de notre mieux. En tout cas, c'est parti. On se retrouve dès que la première game est lancée. Let's go. C'est parti. On va tenter de gagner avec ce deck. Ça va pas être simple. On tombe contre Guzano, Guzana. Ok. Ici, on va mettre un petit sourcil de glace tranquillement. Pour aller défendre un petit peu la foreuse. Oh non, me dis pas qu'il saute. Ok, ça va. Ouais, je vais mettre une bûche. S'il peut défendre. Oh là là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Je vais attendre de voir ce qu'il fait en vrai. En vrai, je vais attendre de voir ce qu'il nous réserve. Très clairement. Là, ça va pas être. Ouais. Ah, en vrai, l'œuf qui tente le dash, moi je prends. Je vais mettre un petit mineur ici. Oh bah dis. Le pré-shot était bien évidemment volontaire. Mais là, en vrai, je vais peut-être mettre une bûche parce que. Ou alors je laisse activer son pouvoir. Parce que son pouvoir, là, clairement, il sert à rien du tout. Ouais, il est pas utile de ouf son pouvoir là. Il vient de me donner 3 élitières en fait. Bah tant mieux, écoutez. Hein. Moi je prends. Je vais mettre un fantôme ici. Si je peux sauver peut-être le sorcier de glace. Ouais. On va remettre un mineur. On va remettre un mineur. Encore un pré-shot. Ah, aujourd'hui je suis en forme sur les pré-shots. Parfait. Et là. Oh, est-ce que je partirai pas méga chevalier dans le fond? J'ignore cet arty. Ou alors j'active la tour. Ou alors je fais un move. Je fais un move. Là je tente un truc là. Dommage. En vrai c'est lui force 3. Il prend le dash. Ah la voleuse c'est fort hein. Et là l'autobus. Regardez-moi ça. L'autobus qui part. Là je pense honnêtement c'est inarrêtable. Ok. On va bien gérer sa fournaise là-bas derrière. Oh non, ça va être horrible. Oh, on n'a rien pour la gérer. Oh non, c'est horrible. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais. Ouais, c'est pas forcément hyper sympa comme game ça. Hormis le fait que je mets à peu près 14 000 élixirs pour gérer une arme artificière, bon. Oh là là, ça va même pas toucher derrière. Ouais. J'ai connu mieux comme début de game. Hein. Là, pour l'instant, on survit un petit peu. En vrai, ça va, mais là, on est pas bien. Hein. Ah, c'est le petit prince qui rend fou. Ça ici, ça comme ça. Ok. Si l'œuf il renaît, c'est pas mal. Wesh. Ah, je savais pas que ça one shot ça. Oh la voleuse. Oh dommage. En vrai, il sacrifie son artificier. On n'a pas encore montré notre cavalier. Guzano, tiens-toi prêt. Hein. Parce que là. Là, ça part. Hein. Dommage ça. On va aller remettre. Notre mineur derrière, parce que la foreuse c'est vraiment. Enfin, c'est quoi déjà le nom de cette carte? La fournaise c'est horrible. On met ça ici. Mais. Ok. What? Oh, j'ai cru que ça touchait ma tour. Oh, ça aurait été horrible. Ça ici. Ça là. Oh là 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 là, oh la value qui fait. Mais la value de fou. Hop, ça ici.
En vrai, il y a un truc en vrai. On va caler le cavalier. Est-ce qu'il peut aller toucher la tour? Je suis pas sûr, je suis pas convaincu. En vrai, si on envoie fantôme royal, il y a pas un monde où. Enfin, il y a zéro monde où il va chercher l'arty. Hein. On va gratter comme ça. On va gratter comme ça ici. Allez, saute! Oui! Oui, oui, oui! Totalement! Oh oui, 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 oui! Dégâts de zone! Oh le dégât de zone! Oh le dégât de zone! Allez! C'est game! Let's go! Franchement, c'était pas simple! Oh l'artificier évolué! Oh, cette carte! Oh, j'en peux plus! On va se retrouver dans la deuxième game. Pour l'instant, ça fait une victoire. On s'en est bien sorti, j'aurais pas pensé qu'on gagne, mais après il avait pas trop de trucs pour push. Donc tant mieux pour nous. On va se retrouver dès que la deuxième game est lancée. C'est parti. Ok, deuxième game contre Hugo, pas de soucis. Prépare-toi, parce que là je pense pas qu'il est prêt à ce qu'il va voir. Je pense pas. Et si on faisait l'autobus first play? Et si on faisait l'autobus first play? Je pense que c'est une bonne idée. Oh l'artificier, j'en peux plus, mais j'en peux plus. Je la vois toutes les games. Je la vois toutes les games. Ah non, c'est une dinguerie. Ok. Ouais, en vrai, il y a un truc. Là, il met des flèches, bon. S'il veut. Là, on met le phénix quand même pour aller gérer ça. Si je mets ça en vrai. Oh! On gère bien le phénix, on gère bien le prince. Le phénix ironé, ça force un chevalier. On a gratté un petit peu sur la tour. Franchement, bénef. Hein. Bénef, mais non, mais quelle erreur. Mais non, mais quelle erreur. Bah ouais, t'as plus rien. Bah ouais, mon ref. Mais non, mais quelle erreur de mettre le mineur. Bon, bah dommage pour lui. Hein. Il a voulu faire forcer, il a perdu. Il a voulu forcer, il a perdu 800 points de dégâts. On va repartir en méga chevalier. Ça a bien marché une fois, je pense que deux fois, pourquoi pas. En plus, ouais, il y a juste le petit prince qu'il faudra faire attention. Je vais envoyer un fantôme en premier. Hop, mineur ici. Wesh! Il nous joue des decks. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Bon, pas de soucis. MK, oh lolo, lolo, lolo. Les gars, je crois que la tour va prendre cher. Oh. Ouais. Ah non, je l'avais pas vu venir celui-là. Oh bah, il n'y a plus de tour, les gars. Il n'y a plus de tour. Bah, tout simplement. Hein. Bah, il n'y a plus de tour. Pas de soucis. Oh, il a raté la MK en plus. Ah non, j'ai pas envie de perdre face à lui. Oh, c'est désastreux là. Est-ce que je la tue? Ouais, je la tue. C'est déjà ça. Si je la tuais pas, ça devenait grave. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça là. Ça va défendre ici. Hop, le mineur qui prend la tour. Ça, c'est vraiment pas mal. Méga chevalier là. Petite bûche comme ça. Est-ce que le fantôme peut aller servir à quelque chose là-bas? Ouais, pas mal. En vrai, c'est pas mal, hein. À force pour la défense. Ah franchement là. Ouais méga chevalier mais bon. Il va pas pouvoir faire grand chose je pense. Petit mineur derrière pour les gratter un petit peu. La voleuse pour aller faire du DPS sur le méga chevalier. Ah dommage le PK. Ouais. Bon ça va en vrai. En vrai ça va. On va partir phoenix tranquillement fond de map. On va laisser avancer son push là. On va mettre un méga chevalier, je pense, sur le tout. Hop, comme ça. Voleuse ici. Je vais mettre une bûche, peut-être ça peut faire des dégâts de zone. Ah non, ça fera pas. Ça fera pas du tout de dégâts de zone. Allez, la voleuse. La voleuse qui peut carry. Qui peut carry. Oh oui, la voleuse. La voleuse décisive dans ce match. Incroyable, on gagne la game. Méga chevalier, PK, franchement, c'était pas simple. C'était pas simple, mais on s'en sort bien, on va se retrouver directement dans la troisième game. On veut le perfect. Mister Singe qui pense
qui imagine pouvoir nous enlever ce perfect sur cette vidéo full légendaire. Mais que nenni. Mais pas du tout. Vous allez voir. On va commencer tranquillement en mineur. Aller gratter un petit peu sa tour. Mettre les premiers dégâts. Il joue barbare. On va jouer notre phénix. Ce qui sera une bonne défense au barbare. Est-ce qu'il accompagne son push? Oui. Oh, c'est là où j'aimerais avoir un méga chevalier là. Aïe. Méga chevalier ici. Parce que là, il a mis quand même pas mal. Hein. Il a mis quoi déjà? Je me rappelle même plus. Oh, c'est quoi ce deck de fou encore? Oh, c'est quoi ce deck de fou encore? Et moi, je suis pas préparé, là. Moi, je défends comme je peux. Et le pire, c'est que c'est pas si mal. Attendez, mais attends. Barbara 5. Mais attendez, mais ce mec est un fou furieux. Mais ce mec est fou. Attends, miroir. Fu. Barbara 5. Ordre à 5. Sorcier à 5. C'est quoi ce deck de malade? Les gars, je suis tombé sur un psychopathe pour la dernière. Je suis tombé sur un psychopathe. On va faire ce qu'on peut. Je vais faire un double push. Son deck, il est trop cher pour qu'il me défende de partout. Non. Ouais, le fantôme, il va passer, là. Le fantôme qui passe, ok. Attendez. Je vais faire... Hop, cave à bélière. Ouh là là. Bon, en vrai, ça va. Hein. Franchement, on gratte tous les deux sur les deux tours, mais je gratte un petit peu plus que lui. D'ailleurs, sa tour va peut-être pas être en bon état à la fin de ce push de cavabélier. En vrai, je vais pas défendre avec le MK, je pense. J'ai la flemme parce que là, il va se faire défoncer. Je vais défendre comme ça. Ça fera bien l'affaire. Ici, je vais partir en cava, en mineur. Non, pas de bûche, en vrai ça sert à rien. On prend la tour. On va mettre un sorcier de glace ici. Voleuse là, bûche. Et ça va être parfait. Hein. Là la défense va être correcte. Peut-être un phénix quand même. Ah, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Ils vont pas prendre l'explosion. Ah si. Oh, le phénix il reste en vie. Mais c'est grotesque. Et là mon ref. Hein. Mon buff. C'est finito. C'est le full win. C'est le full win tout simplement face à un deck de fou furieux. On s'impose encore avec ce deck full légendaire. Donc franchement le deck il est passé super bien. 3 games, 3 victoires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est tout proche des 500. C'est incroyable, on monte super vite. N'hésitez pas à mettre un like également si la vidéo vous a plu. Comme tous les jours, on se retrouve dès demain. Pour une nouvelle vidéo, c'était la Lozerti. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.